Non, je travaille pas. C'est vrai? Vous êtes à la retraite? Oui. Je vais quand même vous poser une question. Alors, selon vous, regardez la caméra. Non, j'ai pas envie parce que vous allez m'envoyer ça, je sais pas où. Ça reste sur la télé. C'est uniquement sur le CGOS. Non, non, pas du tout. Ah, c'est bon, pas d'accord. La télé, non, vous inquiétez pas. C'est pas pour la télé, non. Alors, chère madame. Alors, vous connaissez le CGOS? Oui. Oui, monsieur, je connais, oui. Alors, si vous deviez qualifier le CGOS d'un et d'un seul mot, lequel serait-il? Très bien. Et oui. Et plus encore? Accessible à tout le monde. Et puis, bien expliqué, bien fait. Non, catalogue très varié. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? D'un coup sec, et vous mettez ça sur la tête. Ah, oui, ça va. Pour draguer, c'est pas top. Non, c'est bien parce que... Oui. Bonjour madame. Bonjour. C'est pour le CGOS. Hein. D'accord. Alors, vous connaissez le CGOS? Ah bah oui, bien sûr, oui. Vous êtes dans quel établissement? CHB de Boulogne-sur-Mer. D'accord, ça c'est dans le nord de la France. Oui, dans le Pas-de-Calais. Oui. Tout en haut, tout en haut, tout en haut. On va dire le nord de la France? Oui, c'est pareil, hein. C'est le nord Pas-de-Calais, donc. Et vous y faites quoi comme activité? Je suis aide-soignante. D'accord, très bien. Et alors vous venez au salon pour quoi faire? Bah dans le cadre du CHSCT, pour essayer de trouver des innovations pour les améliorations des conditions de travail. D'accord, vous avez des responsabilités syndicales au sein de la Oui. Alors, qu'est-ce que je veux dire par rapport au CGOS? Si vous deviez qualifier le CGOS d'un seul mot, lequel serait-il? Qui me vient à l'esprit sans trop réfléchir. Je trouve pas le mot justement, c'est efficace. Efficace et pratique aussi, très pratique. Et alors, si vous deviez citer une et une seule prestation qui, à vos yeux, est importante du CGOS? Bah, toutes. Mais une. Une seule. Qui, pour vous, est emblématique du CGOS? Les chèques vacances. D'accord. Je pense. Et si vous deviez conseiller le CGOS à des collègues, vous leur parleriez de quoi? Bah, de toutes les prestations. Hein. Quand on a des enfants, on va sur le site, les prix sont... Enfin, pour les parcs d'attraction, les sorties, etc., c'est quand même... On est vachement gagnant. Enfin, moi, chez Compara 5, on fait de sacrées économies. Les CESU, c'est quand même important aussi. Ça donne un coup de pouce pour le quotidien. C'est les chèques vacances, les chèques lire, les chèques disques. Ah ouais, non, c'est vrai que... Qui vous suit, vous pouvez les répondre. Heureusement que c'est pas un concours. Hein. Mais même pour les vacances, par exemple, les catalogues vacances, enfin, tout est... De toute façon, pour le moindre truc, je vais d'abord voir sur le site de la CGOS. Comme là, je viens de faire un crédit pour un... On vient d'acheter une maison, donc on a, grâce à la CGOS, on a fait un crédit à taux zéro pour pouvoir déménager. Et puis bah, là, pour la toiture, c'est pareil, ça va être d'abord... Là, je vais aller voir ma conseillère CGOS. Donc pour vous, le CGOS, c'est un compagnon du quotidien? Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est important. C'est un peu préparé aussi pour vos collègues? Oui, beaucoup, ouais. Pour beaucoup de mes collègues. Je ne vais pas dire toutes, mais pour beaucoup. Mais toutes mes collègues font leur dossier CGOS tous les ans. Quelle activité, quel métier? Aide-soignante. D'accord. Vous êtes collègue? Voilà, tout à fait. Alors, je vais vous poser les mêmes questions. Oh, on a encore un quart d'heure. Si vous deviez qualifier le CGOS d'un seul et d'un seul mot, lequel serait-il? Formidable. C'est la chanson de Stromae. Mais pas formidable, hein, formidable. Ah oui, c'est... Et est-ce que vous bénéficiez du CGOS au quotidien? Oui, tout à fait. Vous avez des enfants? Oui. Donc pour vous, le CGOS, c'est quelque chose d'important dans Très important, oui. Et si vous deviez citer la prestation qui, à vos yeux, est la plus importante? Les chèques vacances. Un peu comme votre collègue. Bah non, mais ça permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire seul, quoi. Donc vous êtes une consommatrice de chèques vacances assez régulière. Voilà. Pour le sport, pour tout. Toute activité, en fait. Et là, le Coupon Sport qui a été lancé cette année, vous en êtes aussi tout à fait, bénéficiaire. Ouais. Vous pensez que c'est une bonne idée? Très bien. Alors, si vous deviez qualifier le CGOS d'un seul et un seul mot, lequel serait-il? Non, bah, mes collègues vous l'ont déjà dit. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est votre... Aide pour... Bah, l'aide. Aide. Parce que c'est autant pour les chèques vacances que pour la personne qui a des problèmes à subvenir à ses besoins, le surendettement.
Vous êtes un professionnel de la santé avant tout. Alors, je suis un. Il faut l'être d'ailleurs. Oui, il faut être un professionnel. Ce sont des acteurs avant tout. Je me détermine comme un acteur de santé publique. En fait, j'ai été formé et nourri au service public hospitalier puisque j'ai fait du droit public à l'époque à l'école de Bordeaux, qui est l'inventeur, ou à l'université de Bordeaux, qui est l'inventeur du service public hospitalier. Et donc, je suis un professionnel, oui, depuis quelques dizaines d'années maintenant dans le circuit. Et alors comment marier un peu cette responsabilité d'acteur de la santé, donc avec une grosse responsabilité de directeur d'établissement et de président du CGES, c'est quand même pas une mince affaire. Alors d'abord il faut effectivement, moi pendant toute ma carrière je me suis préoccupé des questions sociales, j'ai toujours été à l'écoute des préoccupations sociales des agents. Ensuite je suis rentré il y a maintenant 18 ans au CGES en tant qu'administrateur. Et petit à petit, je me suis formé. Alors comment faire ? Eh bien, il faut s'appuyer, effectivement, et c'est le cas au CGES, sur des équipes au niveau du siège et au niveau des délégations qui sont compétentes et qui font tout le travail, parce qu'il est impossible, effectivement, de gérer, d'avoir la responsabilité d'un gros établissement, enfin, d'un établissement important, et d'être président. Il faut s'appuyer, déléguer, faire confiance et essayer de rapporter ce que l'on vit à tous les jours et de le traduire dans des actions concrètes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce qui s'est passé de cette année là, qui vient de s'écouler ? Oh, c'est une année importante puisqu'on est en train de terminer nos orientations stratégiques et qu'on a réussi à stabiliser aussi la CRH, hein, la complémentaire retraite, ça y est. Le régime est sauvé, entre guillemets, si on peut le dire. Et on a mis en place des actions nouvelles, en particulier le coupon sport après une expérimentation et la solidarité familiale avec une prise en charge des jeunes enfants de 7 à 11 ans. C'est-à-dire que le CGES colle assez fortement à son époque par rapport aux problématiques sociales qui sont posées aujourd'hui aux agents. Oui, depuis 50 ans, c'est toute l'action du CGES. On essaie effectivement d'être à l'écoute. Et on a notre organisation, fait que la remontée du terrain est constante à travers nos 16 délégations régionales. Je remercie d'ailleurs pour le travail de terrain qu'elles font et qui nous font sentir effectivement vraiment les préoccupations actuelles des agents et des nouveaux arrivants. Les actions futures alors, sur lesquelles le CGES va intervenir. On sait déjà que le CGES va intervenir sur tous les nouveaux aspects. Comment améliorer la formation? Ça, c'est un grand, grand problème des jeunes enfants de nos hospitaliers pour leur permettre d'avoir un bagage suffisant pour être constamment dans un monde qui va changer, évoluer, pour avoir une bonne formation de base. Ça, c'est un grand défi. Continuer à se préoccuper des familles monoparentales. De plus en plus, les familles sont dispersées. Ça, c'est un grand besoin, surtout les femmes. 80% du personnel hospitalier est féminin. Et ensuite, une population d'agents qui se précarisent aussi, malheureusement. Et ça, c'est un des grands défis des 5 prochaines années. Comment aider ces catégories d'agents hospitaliers qui ont des revenus, mais qui malheureusement ont des revenus trop bas avec le gel des prestations, le gel du point d'indice, comment les aider? Donc la formation est une aide concrète à la vie de tous les jours. Ça, c'est les grandes orientations. Parce que c'est aussi beaucoup de choses, alors, il intervient dans un tas de secteurs. Bon, des fois, parfois, on s'y perd un petit peu. Pour vous, quelle est la chose essentielle qui est aujourd'hui perçue par l'agent de base? Moi, s'il y a quelque chose qui me marque, c'est que pour l'agent de base, le CGES, c'est statutaire. Il y a des prestations qui sont statutaires, comme la maladie, comme le droit à avoir des réductions pour les vacances, etc. C'est assimilé au statut. Le CGES, c'est une prestation statutaire. Et ça, c'est une réussite de nos équipes, des délégations régionales, du centre,
de nos prédécesseurs qui ont fait que cette perception est de plus en plus agent, puisque on touche de plus en plus d'agents, hein, près de 650 000 agents sur le million d'agents hospitaliers a eu droit à une prestation du CGOS. Est-ce qu'il y a un autre aspect de la politique du CGOS totalement nouveau sur lequel aujourd'hui vous réfléchissez et sur lequel vous interviendrez peut-être à court ou moyen terme? Des choses que les agents aujourd'hui ne connaissent pas parce que ça n'existe pas sur Vous savez que le CGOS est un organisme paritaire, donc on est en discussion actuellement avec nos partenaires qui sont les représentants du personnel et on essaie de faire évoluer comment vers des prestations totalement nouvelles, faire comprendre que il fut un temps où le CGOS c'était un peu assimilé à prestations maladie aux vacances, c'est ça. Il va falloir évoluer, je disais, sur comment sans dévoiler encore des orientations, si on me reprocherait effectivement d'imposer une vision présidentialiste ou présidentielle, ce qui n'est pas le cas. Mais je pense qu'il faut que qu'on revienne quelque part à protéger ou à aider à la protection des agents dans leur cœur de métier. Je ne sais pas comment dire. Donc formation, information, soutien pour qu'ils puissent être épanouis dans leur métier et pour que ça ait un impact sur la prise en charge des patients. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre métier, en quelque sorte, c'est d'aider les hospitaliers à être bien dans leur peau, à ne plus avoir de problèmes ou alors à les aider dans leurs problèmes quotidiens pour qu'ils puissent répondre aux besoins de santé publique de nos concitoyens. Mesdames, est-ce que vous nous accordez une petite minute? C'est pas pour vous demander, le CGOS. Hein. Okay. Vous connaissez le CGOS, oui. Évidemment. Vous êtes dans quel établissement, madame? Robert Ballanger, à Aulnay-sous-Bois. Ah, vous êtes en région parisienne, alors. Oui. Vous êtes toutes des collègues? Collègues de promotion, parce qu'on est étudiante, voilà. Infirmière. Ah d'accord, ok, très bien. Alors, vous connaissez le CGOS depuis un petit bout de temps, j'imagine? Moi, depuis 2008. Voilà, alors si, alors, le jeu consiste à dire, si vous deviez qualifier d'un seul et un seul mot le CGOS, lequel faisiez-vous? Super. Et oui. Plus encore. Vous m'avez dit un seul mot, donc. Non, mais moi, c'est surtout pour mes enfants que je m'en sers, parce que je peux les faire partir dans des endroits où, en famille, je ne pourrais pas les faire partir, à des prix super intéressants. Métier aux exercices. Ah, j'étais aide-soignante et là, je suis élève infirmière. Voilà. Ah oui, vous êtes dans le cadre d'une formation professionnelle. Vous passez d'un métier à un autre. Oui. D'accord. Et aussi, je suis affiliée à la système retraite, complémentaire retraite. Oh, vous avez pris tout le pot. Oui, en arrivant dans la profession, j'ai acheté mes parts. Voilà, je sais le principe. Mais par contre, je ne profite pas assez des loisirs, justement. Et dans l'avenir, j'espère... voilà, profitez de cela. Bonjour, votre endroit, évidemment. Non, je ne prends pas ça mal. Bonjour, pouvez-vous vous présenter rapidement? Je suis étudiante en soins infirmiers, en troisième année, bientôt diplômée. Je ne suis pas encore inscrite à la CGOS parce que je n'ai pas eu de contrat encore, mais je pense m'inscrire là, quand j'aurai mon contrat de travail. Vous avez une idée un peu extérieure de ce que c'est que le CGOS? Non, je ne me suis pas penchée dessus parce que comme j'étais étudiante, j'ai sorti du bac, j'ai commencé direct ma formation. Je ne me suis pas vraiment penchée dessus. C'est vachement sympa, il faut que vous l'ayez, je vous le donne. Merci. Des questions sur ce qu'on vous propose en général? Non, vous êtes bien renseignée par vos correspondants d'établissement? Ça va. Vous utilisez le site internet aussi de temps en temps pour vous renseigner? Oui. Où vous travaillez? En EHPAD dans l'Oise, à côté d'Attichy, entre Compiègne et Soissons. D'accord. Voilà. On est où là? En Picardie? En Picardie. D'accord. Mmh. Alors le CGOS, vous connaissez? Oui. Qu'est-ce que vous connaissez à travers quel type d'action, type de prestation? C'est surtout sur les activités, les voyages, les vacances, les aides qu'ils peuvent nous apporter. Et vous faites quel job dans votre... Moi, je suis cadre de santé. Ah oui? Oui. On va faire un... Voilà. Sérieux. Et si vous deviez qualifier le CGOS d'un seul et un seul mot, lequel serait-il? Pratique. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Dans quel établissement vous travaillez, par exemple? Oui, hôpital Charcot de Plaisir. Et vous exercez quelle fonction? Diététicienne. Ah oui, c'est la première fois qu'on rencontre une diététicienne qui vient d'un établissement. Alors vous êtes arrivé au stand du CGOS là pour avoir, j'imagine, des renseignements, des informations? Oui, c'est ça. Vous connaissez le CGOS? Oui. Alors si on devait qualifier d'un seul et d'un seul mot le CGOS, qu'est-ce qui lui viendrait à l'esprit là en 2 secondes? Ouf.
Bah, c'est dans l'intitulé, hein, les œuvres sociales, je pense. Voilà. Là, tu es bénéficiaire. Ouais, bénéficiaire d'offres sociales. Quelque chose que vous utilisez assez régulièrement. Oui. Dans quel domaine en particulier? Sortie culturelle. Et puis aussi la complémentaire retraite. Il faut se mettre plus proche de la danseuse comme oui, ça. Oui, je sais. On peut besoin de lui mettre la main sur la tête ou quelque chose d'un peu plus. Enfin, allez-y, un peu quoi. Plus chaud, quoi. À cette distance, comment voulez-vous faire quoi que. Bon. Mais je ne sais pas danser. Mais non, ça vous fait croire que. Mais n'hésitez pas, ne soyez pas timide comme ça. Ouais. Je ne sais pas, allez. Elle va faire son genre. Allez, voilà, on a fait notre DA. Bravo. Sympa. Je vais être un peu plus sérieux. Bonjour, oui. Monsieur. Vous pouvez nous dire qui vous êtes, dans quel établissement vous travaillez? Je suis Christophe Delante, je travaille à l'hôpital de Brive, en Corrèze. Brive-la-Gaillarde. C'est ça, la ça Gaillarde. Le marché de Brive-la-Gaillarde. Le marché, oui, puis la foire aux livres. Toute la région. Voilà. Et vous venez au salon pour quelle occasion? Pour vous rencontrer les exposants sur des problématiques qu'on peut avoir dans notre établissement, sur la construction, sur les aménagements intérieurs, parce que je m'occupe plutôt des services techniques et travaux et de la sécurité. Voilà, donc c'est pour voir un petit peu les nouvelles technologies et puis rencontrer des partenaires qui ont des idées, sur des choix de matériel et tout ça. Vous faire votre marché, quoi. Voilà, ouais. Et puis aussi rencontrer des collègues, parce que les échanges entre établissements, c'est important aussi pour garder aussi un contact et puis des idées aussi sur ce qui se fait dans d'autres établissements. Alors, on va essayer de revenir sur le CGOS. Vous connaissez le CGOS, évidemment. Ouais. Alors, si vous deviez qualifier d'un seul et d'un seul mot le CGOS, vous diriez quoi? Le CGOS, c'est un seul mot. C'est le rapprochement des agents. Il y a plusieurs mots, mais... Donnez-en deux autres. Non, mais c'est ça, c'est le rapprochement entre les agents pour avoir justement regrouper les agents dans diverses actions. Enfin, je parle des actions liées à la famille aux actions sociales. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre, mais je vais essayer. Parce que je suis dans le panier. Bonjour. Bonjour. Je suis infirmière à Nogent-le-Rotrou dans l'Eure-et-Loir. D'accord. Voilà. Dans quel établissement? Au centre hospitalier de Nogent. Et vous êtes sur le stand du CGOS, j'imagine que vous êtes venu un peu pour vous informer. Voilà, oui. Oui, parce que j'ai envoyé mon dossier pour le comité d'entreprise du CGOS. Et là, je me renseignais pour l'épargne retraite. D'accord, ok. Voilà. Le CGOS, vous le connaissez depuis longtemps? Non, parce que je suis depuis diplômée de juillet et je travaille depuis juillet à l'hôpital. Ah oui, c'est récent. Voilà, oui, c'est récent. Donc c'est la première fois que vous déposez votre dossier. Voilà. Et alors, vous êtes plutôt en attente sur quel type de service ou de prestation? Je ne sais pas où c'est. Je vais envoyer pour avoir des chèques livres. Voilà, peut-être des coupons spa, après je verrai pour les réductions par rapport aux vacances. Après, je ne sais pas tout ce qu'ils proposent encore, je n'ai pas eu le temps de bien découvrir encore. Oui, nous attendons. Vous avez la curiosité d'aller voir sur le site internet? Si, j'ai commencé à regarder un petit peu. Il y a des choses qui vont bien à peu près dans ce que vous allez peut-être faire avec le CGOS. Tout ce qui est loisirs, sport, culture. Voilà. C'est ça. Vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas d'enfant? Non. La petite enfance, les prestations enfance, pour le moment, c'est pas votre. Pour le moment, non. C'est pas votre préoccupation. Merci en tous les cas. De rien. Bonne journée. Merci à vous aussi. Vous présentez rapidement qui vous êtes, dans quel établissement vous travaillez? Alors, je m'appelle Mickaël et je suis responsable de restauration à Bain-les-Bains, dans les Vosges. D'accord. Alors, vous êtes venu là sur le stand du CGOS, j'imagine, avec sûrement un objectif. On fait partie du CGOS, donc les prestations sont toujours intéressantes. Donc, oui, c'est bien de venir voir. J'ai posé la même question à votre collègue. Si vous deviez qualifier le CGOS d'un seul et d'un seul mot, lequel serait-il? Très bien. Ça fait deux. Merci bien. Bonjour. Vous pouvez présenter en deux mots qui vous êtes, où est-ce que vous travaillez? Je suis Daniel Picard, je suis directeur d'EHPAD dans les Vosges. D'accord, donc on a affaire à un grand manager. Voilà. Il faut faire attention à ce qu'on va dire. Non. Alors on vous a vu tout à l'heure faire quelques pas de danse. Ah oui, mais ça c'est le rôle du directeur ça. Non mais c'est plutôt, ça fait plaisir parce que souvent les directeurs sont plutôt un peu rigides. J'étais infirmier avant, j'étais soignant. Vous êtes passé par la case départ quoi. Donc vous avez vu ce qui s'est passé avant. Oui.
Alors, vous êtes venu au stand du CEJOS, parce que le CEJOS, ça vous parle, j'imagine. Plus 35 ans. Et alors, si vous deviez qualifier le CEJOS d'un seul et d'un seul mot? Proximité. Alors, je vous donne droit d'en dire un deuxième. Solidarité. Et un troisième? Rigueur. Mais en ce qui vous concerne, les pattes que vous dirigez, vous pensez que le CEJOS est plutôt bien perçu? Oui. Une image très positive. On a deux correspondants, enfin j'ai deux correspondants, un dans chaque établissement. Et ouais, très bien perçu. Les agents viennent directement les voir pour le dossier, pour la billetterie, pour les prêts, pour les choses comme ça. Vous en avez une majorité qui utilise le CEJOS? Ah oui, oui, oui. Je dirais 75%. C'est pas mal. Oui, oui, à peu près. Le taux d'impact, il est 60%. Vous êtes au-delà. Oui, on est au-dessus. National. Mais vous savez, dans les petits établissements reculés au fin fond de la France, ça a une importance. Ah oui, vous pensez que plus c'est petit, plus ouais. C'est écarté des grands centres urbains, et oui. Plus le CEJOS... Parce que c'est un des, des interlocuteurs privilégiés, du coup, pour les agents. Pas sur les réseaux. Faites ce que vous voulez. Il est à vous.